mes filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés que je mets dans un sac comme ceci. Alors, cette vidéo-ci, c'est une vidéo en partenariat avec la youtubeuse Makeup Chris. Donc, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une vidéo collaboration avec moi. Et je lui ai dit que moi, j'aurais bien aimé faire produit terminé. Et on en a discuté, tout ça, elle était d'accord. Et donc, voilà. qu'est-ce que je voulais dire? J'essaierai de vous mettre... une petite photo pour que vous voyez cette fille géniale si vous ne la connaissez pas, et je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et le lien de la vidéo qu'elle fera, je la posterai en même temps. Donc c'est une vidéo collaboration produit terminé avec la youtubeuse Makeup Chris. J'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses vidéos, ses petits vlogs où elle part chercher des produits en Allemagne. J'adore, enfin, j'adore tout ce qu'elle fait. Je me régale quand elle fait une vidéo qui sort. J'apprécie beaucoup, franchement, j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle voulait faire une vidéo collaboration avec moi. Donc, on va passer aux produits. Alors, j'ai fini un gel douche Balea au kiwi qui fait 250 ml. Alors, l'odeur, elle était mortelle et il sentait trop trop bon. J'ai adoré. J'ai adoré, adoré. En fait, j'avais fait une commande chez Marie Maquillage. J'avais fait une commande pour 30 euros de plusieurs produits. Mais j'ai pas encore tout testé, et là ça fait partie d'un des produits de la commande que j'avais faite et j'adore, c'est trop bien. J'ai testé celle au kiwi, mais il doit y avoir plusieurs senteurs, pareil, plusieurs nouveautés qui sortent, tout ça, mais celui-là j'ai adoré. Ensuite j'ai fini ça, j'en ai fini deux. J'avais eu sur Beauté Privée, c'est des shampoings bleus ou shampoings violets, la couleur elle est plutôt violette. Hein. Shampoing argent, cycle vital, Eugène Perma, sève d'érable plus argent déjaunisseur. En fait, quand vous avez les cheveux blonds, si vous faites des mèches, si vous voulez bien les... Parce que ça les éclaircit un peu, enlever tous les mauvais reflets et garder une jolie couleur et... L'éclaircir légèrement, je trouve que ça c'est bien d'entretenir son blond avec ce genre de shampoing. J'en avais pris deux, mais je l'ai utilisé en alternance avec d'autres shampoings normaux. Malheureusement, j'en ai plus. J'avais eu sur Beauté Privée. Je sais plus combien j'avais payé, mais ils étaient en offre, ils n'étaient pas trop chers. Une marque anti-âge, shampoing argent, mais en fait c'est un shampoing bleu ou un shampoing violet quoi. Donc les filles, si vous avez des shampoings bleu, violet, pour les cheveux blonds qu'on peut avoir en grande surface par exemple, pas toutes les grandes surfaces parce que moi j'ai que Carrefour et Intermarché, si vous avez une marque à me conseiller, ou alors ce genre de shampoing qu'on peut avoir sur un site internet, ça m'intéresserait parce que je ne sais pas par quoi je vais les remplacer pour continuer. Continuer à éclaircir légèrement les cheveux et entretenir mon blond. Je sais pas par quoi remplacer, donc si vous avez des idées, des marques, tout ça, dites-le moi, ça m'arrangerait. Ensuite, j'ai fini cette gamme-là. Enfin, un produit de cette gamme, j'ai bientôt fini le deuxième. C'est de chez Docteur Pierre Rico, oui, c'est ça. Et c'est un gel lavant pour les mains au parfum citron confit. Alors l'odeur, c'est une tuerie. Dommage qu'ils ont sorti que ça. Ils ont sorti ça au citron confit et le même à la figue sucrée.
La figue sucrée, je l'ai presque finie. Et citron confit, c'était une tuerie. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des petites crèmes pour les mains, mais des 30 ml, mais toutes petites. Je trouve que c'est assez cher pour des toutes petites crèmes. Mais je trouve qu'ils auraient dû sortir, comme Yves Rocher, des crèmes 50 ou 75 ml et sortir tous des produits de cette gamme en figue et au citron confit. Ça aurait été une vraie tuerie. Pourquoi sortir que le l'avant pour les mains et une mini crème alors qu'ils auraient sorti toute une gamme complète? Franchement, docteur Perrico, vous auriez sorti toute une gamme de soins pour le visage ou le corps. Ça aurait été une tuerie, une tuerie, une tuerie. Parce que ça, c'est une tuerie. Donc, mais c'était une édition limitée, donc je ne pourrais pas la racheter, mais c'était génial. Je sais pas combien j'ai de temps sur cette carte, on verra bien. J'espère que ça va pas couper au plein milieu. J'ai fini un shampoing biphase. Les shampoings biphase, je les trouve pas chers et efficaces. J'en ai encore un dans ma salle de bain à l'amande que j'aime beaucoup. Pour changer, j'ai pris l'amande. Celui-ci, c'est au beurre de karité et miel, cheveux secs et abîmés. Donc, c'est un pot de 250 ml. Et il était très bien. Moi, je trouve ses petits prix et bon produit. J'ai bien aimé. Je rachèterai des masques biphase. J'en rachèterai parce que là, il m'en reste un. La prochaine fois, je pense que j'en prendrai 3-4 d'avance. Parce que j'en utilise pas mal des masques. J'en fais à chaque fois que je fais un shampoing. J'ai fini une eau de toilette. C'était sur les clubs des créateurs de beauté. Et c'était Fifi Chanel. C'était une eau de toilette ou une eau de parfum, je ne sais plus. Dedans, c'était rose. Super gourmande. Super gourmande. J'ai adoré. Mais il faut aimer vraiment le truc super gourmand. Parce que pour être gourmand, c'est super gourmand. Et un peu épicé aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, il y en a. Ça se fait plus, malheureusement. J'ai terminé déjà, oui. Mon eau de toilette Chocomania 30 ml de chez The Body Shop. J'ai adoré, adoré. Ces petits parfums, ils sont trop bien. Aux toilettes, ils sont trop bien. J'ai trop aimé, c'était très bien. J'ai fini la crème pour le jour Funétique Vive ses 30 ans à la framboise que j'avais eu dans le swap avec Bénédicte. Alors, j'ai bien aimé le concept du flacon pompe, le dézing, etc. Mais par contre, c'est un produit bio, naturel. Par contre, l'odeur de la framboise, perso, moi je trouve pas que ça sent la framboise. L'odeur elle est un peu bizarre. Et le packaging est super, super pratique. Mais la crème, il faut quand même bien masser, je trouve, pour qu'elle pénètre. Donc, moyen, moyen. J'ai fini un shampoing Pantene Prouvé. Réparateur et protecteur qui fait 250 ml. J'en ai fini deux comme ça. Et moi je l'ai bien aimé parce que il laisse mes cheveux tout doux. Avec mes colorations, les longueurs elles sont quand même sèches. Et il laisse mes cheveux tout doux. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un mascara de chez Manhattan First Steel comme ceci. Alors la brosse elle était comme ça. Voilà, c'était une brosse toute simple. Et en fait, Manhattan c'est une marque à petit prix. Si vous commencez dans le make-up, vous voulez un mascara noir tout simple qui fait un effet naturel. Petit prix, il est très bien. Mais si vous voulez un mascara par exemple qui allonge les cils, qui les recouvre, qui fait beaucoup d'effets, c'est pas la peine. Pour un effet naturel, ok, mais sinon, si vous recherchez vraiment un bon mascara qui fasse vraiment un bel effet, je vous le conseille pas. Mais en même temps, c'est un petit prix. Donc voilà,
Perso, je pense pas que je l'achèterai parce que d'ailleurs j'ai plein de mascaras en stock et celui-là, non, il est trop. Il est tout simple en fait. Voilà. C'est bien pour les jeunes filles, je trouve. J'ai fini le Yes Love, le l'eyeliner qui se présentait comme ceci. La pointe, c'était. On va dire qu'il faut s'y habituer, il faut s'y faire. Hein. Après les eyeliner, c'est comme les couleurs. Mais bon, je me suis faite. Pour un petit prix, il était pas mal quand même, je trouve. La couleur a été super intense. Et comme j'aime à tester d'autres produits, tout ça, je ne le rachèterai pas pour l'instant, mais j'ai aimé. Là, j'ai fini mon chouchou. Le méga volume Miss Manga, en fait, je l'avais offert dans le swap à Nancy, qu'il avait mis dans sa wishlist. Et le souci, entre guillemets, quand vous faites des swaps, c'est que vous voyez les wishlists des autres personnes et ça vous donne envie. Donc, j'en ai pris un pour moi et un pour elle. C'est ça le problème, vous faites des swaps, mais vous achetez autant de produits pour vous, en général, parce que vous êtes tenté. Donc, vous le connaissez, hein. Et je l'aime beaucoup, je l'ai adoré. J'ai adoré sa brosse flexible. J'ai adoré l'effet qu'il fait. J'ai adoré. Et je préfère. Il n'est pas sec du tout, hein, mais comment j'ai utilisé ça plusieurs mois, je préfère pas prendre de risques, quoi. Surtout que mes yeux sont sensibles, donc je préfère. Voilà. Et je l'adore, je pourrais le racheter à l'occasion parce qu'il est super. J'ai fini un gel douche que j'avais eu sur Fragrance Direct. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il sent. 300 ml. Ah, Fragrance Direct que j'avais eu. Ou Radia, je ne sais plus. Non, ça doit être sur Radia. C'est espagnol. Anatomical. C'est pas écrit en français du tout. Non. Il y a un petit discours derrière en anglais. Mais je sais plus ce qu'ils sentaient celui-là. Là, je ne sais pas du tout vous décrire. Il sentait super bon. Mais je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il sent. C'était celui-là. Il sentait très bon. Derrière, vous avez ceci. Je sais pas si vous allez voir, un rappeur. Il sentait très bon, mais bon, je ne referai pas une commande rien pour ça. J'ai fini des lingettes démaquillantes d'eau micellaire Barbara Gould. Tout maquillage, même résistance. Tant eau de mélisse bio convient aux peaux et yeux sensibles sans alcool, sans colorant. Comme ceci, j'ai bien aimé. Par contre, moi, je pense qu'il me fallait deux lingettes pour me démaquiller à chaque fois. Mais bon, elles étaient très bien. J'ai fini une brume que j'ai eue sur Fragrance Direct. J'ai essayé d'accélérer un peu parce que j'aurais pas le temps de faire toutes mes vidéos. She is a Clubber Body Mist qui sentait trop bon. Un peu les fruités. Fruités, fruits rouges. Une brume pour le corps de 150 ml. Chez Clover, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai fini un parfum de chez Yves Rocher Flower Party Summer qui paraît sentait très bon, qui est en édition limitée. J'ai fini l'eau de toilette pareil The Body Shop à la noix du Brésil qui était une odeur de tuerie, j'ai adoré. J'ai fini à Deo Go Fresh
au concombre, vert et au thé vert, qui était très bien. J'ai fini de chez Adopt dans la gamme fruitée, eau de parfum, cerise amande. Et là, ils ne disent pas dans quelle gamme c'est. C'est les deux figues. Sentaient très bon tous les deux. J'ai fini un petit gel colorant pour les sourcils, More Brown de chez Model Co, que j'avais eu dans une box, présenté comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai fini plein de tartelettes. J'ai fini la marshmallow grillée qui sent trop trop bon, j'adore. J'ai fini la pink grape fruit qui est en pamplemousse rose qui sent super bon. J'ai fini la ginger dust. La figue, wave figue, figue noire je pense. Tout ça j'ai aimé. La Christmas guirlande. J'en ai fini pas mal. Hein. La candy canelan qui sent super bon aussi. J'ai fini la orange splash qui sent super rafraîchissant. La Christmas cookie, j'aime beaucoup. Il y en a que une, deux qui m'ont paru un peu bizarre. La Egyptian musk, tiens, elles sont super bonnes également. La icicle, elle sent le frais. Mais je ne serais pas décrire avec encore une odeur. Enfin, elle sent elle-même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça sent le frais, mais comment vous expliquer? C'est dur à dire. L'hiver, le frais, il cycle avec un petit oiseau. Mais pour décrire, c'est pas évident. J'ai beaucoup aimé son odeur. J'ai fini la beige Flift Freight. Je peux pas vous les dire en français parce que j'ai une vue merdique, je vois pas. La traduction en français, elle est écrite trop petite pour moi, donc désolé. Hein. J'ai fini la Pink Sand, qui sentait très bon aussi. J'ai fini la Cranberry Ice, pareil. La Christmas Cookie, qui sent trop 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 bon. J'ai fini une crème pour les mains de chez Essence dans la gamme banane chocolat noir. J'ai encore deux autres senteurs de cette collection-là à utiliser. Donc celle-là, c'est banane chocolat noir de chez Essence. Et ça sent vraiment la banane et le chocolat noir. Et c'est vraiment des produits top à petit prix. Et c'était un 100 ml. C'était top top top. J'ai fini un lip maker caramel salé. L'odeur, elle était mortelle. C'est un baume pour les lèvres. Il était très bien. J'avais eu chez Claire hein, plusieurs baumes pour les lèvres. J'ai fini le chêne à glaise Sun Worshipper. Un orangé abricot. J'ai fini le Silolita
présente comme ça, j'avais vu sur Fragrance Direct. Ouais, ils sentaient bon, mais je trouve qu'ils ont rien à envier. C'est des parfums de grande marque, ils ont rien à envier aux petits parfums moins chers, quoi. Donc, ouais, j'ai apprécié, mais je rachèterai pas. J'ai fini de chez Avon Hydra Radiance Nuit, une crème de nuit 50 ml. Bon, c'est une crème hein, de nuit, je peux pas dire plus. J'ai fini la tartelette Saison of Peace, qui sont super bons également, et la Christmas Eve. Ben, c'est pas celle-ci que je voulais vous parler. C'est celle, j'ai pas mis dedans. C'est celle caramel beurre salé. Je pensais que j'allais adorer, que ça allait être top. Mais je ne sais pas si je suis tombée sur un mauvais lot, bien que je ne crois pas qu'il y ait des mauvais lots. Mais je ne sais pas, quand je l'ai mise, j'ai l'impression que ça me prenait à la gorge et que l'odeur, ça ne sentait pas du tout caramel beurre salé. Alors que vraiment, ça doit être une odeur divine, ça ne sentait pas du tout ça. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être la reprendre pour confirmer ou changer d'avis. Mais elle m'a fait un drôle d'effet, celle-là. Je sais pas. Ouais, je sais pas, m'a fait un drôle d'effet. Donc, on va dire que je suis neutre parce que j'ai essayé qu'une fois, enfin une fois, mais elle m'a paru bizarre. Donc, j'ai terminé le Eucérine crème, un petit pot comme ça, pour le visage. Donc, pour moi, une crème hydratante, ça hydrate et ça fait rien de plus, c'est une crème hydratante, voilà. Rien à dire de plus, j'ai fini de chez Pierre Rico. C'était un top coat et base. On pouvait utiliser un top coat ou base. Pareil, pas grand chose à dire d'autre là-dessus. J'ai fini de chez État Pur l'acide citrique à 60. Donc je sais pas trop en quoi elle servait celle-ci. Je pense que c'était pour éclaircir légèrement la peau, pour enlever les petites taches. Donc je l'ai utilisé sur ma peau, mais j'ai utilisé aussi beaucoup pour les mains. Je me suis dit pour prévenir les taches brunes des mains, vous savez, ça peut arriver super vite les taches brunes. Moi j'ai la chance de pas encore en avoir, heureusement. J'hydrate bien mes mains. Et je vais pas au soleil justement. Et bon, c'était pas mal. Mais j'ai pas vu d'effet plus que ça. J'ai fini un Merci Andy gel antibactérien citron vert. Et bien sûr, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, vous verrez avant ou après, comme Gossybox aime me débiter 2 box ou 3 box pareillement dans le mois, j'en ai reçu 3. Donc il m'en reste encore 2 en stock. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Et Merci Andy, j'aime beaucoup, c'est très bien, ça désinfecte en même temps et en même temps ça n'assèche pas les mains. Donc moi j'ai testé qu'au citron vert, hein, j'ai pas testé les autres odeurs, mais j'adore. Et j'ai fini. Donc voilà les filles pour mes produits finis en collaboration avec la youtubeuse Makeup Chris. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de plein de bisous ainsi qu'à la belle Makeup Chris également. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt les filles et les garçons.